des jours elle s'ennuie, y a des jours elle se fait chier. Ça dépend des conneries qu'elle mate à la télé. Tout le monde est confiné, elle doit rester chez elle, sans télétravailler et au chômage partiel. De toute façon c'était l'enfer, la boîte où elle trimait. Et même si elle en chiait, elle avait quelque chose à faire. Maintenant elle fout plus rien, elle se traîne sur Facebook. Elle prend même plus son bain, ça commence à sentir le bouc. Elle branle rien, même pas un copain. Puis elle dit que c'est morveux, lui ressort par les yeux. Dans cet appart trop petit, dans cette vie sans amis, elle s'ennuie, Mimi. Quand sa meilleure copine, celle qui essaie d'être actrice, supporte plus sa déprime, ni son chômage d'artiste. Elle l'appelle en visio, et même si ça marche pas, c'est plutôt rigolo. Et puis tout le monde fait ça. Elle dit que son mec craque, que ça le rend givré, que des fois il la frappe, un peu sans faire exprès. Alors elle regrette pas d'être une mère divorcée. La pension tu l'as pas, mais t'es pas tabassée. Elle branle rien, même pas un copain. Puis elle dit que c'est morveux, lui ressort par les yeux. Dans cet appart trop petit, dans cette vie sans amis, elle s'ennuie, Mimi. Elle est gavée avec les radios, les journaux qui parlent que de ces mecs qui bossent dans les hostos. Elle se dit qu'ils sont beaux, qu'ils viendront la sauver. Même s'ils sont tous masqués, c'est les nouveaux héros. Elle applaudit doucement tous les soirs à sa fenêtre. C'est plus pour les enfants, pour eux c'est comme une fête. Mais en fait elle s'en fout de tous ces pauvres gugus qui s'activent comme des fous pour combattre un virus. Elle branle rien, même pas un copain. Puis elle dit que c'est morveux, lui ressort pas les yeux. Dans cet appart trop petit, dans cette vie sans amis, elle s'ennuie, Mimi. Si elle avait une maison avec un bout de jardin, au moins pour les lardons, ça leur ferait du bien. Dans 50 mètres carrés, tous les jours c'est la guerre. Les devoirs dégénèrent, ça finit par gueuler. Elle qui était angoissée et hypochondriaque, cache-t-on à volonté quand elle était patraque. Dès qu'elle a mal au bide, elle se dit c'est le Covid, ce connard de virus, et elle flippe encore plus. Elle branle rien, même pas un copain. Puis elle dit que c'est morveux, lui ressort par les yeux. Dans cet appart trop petit, dans cette vie sans amis, elle s'ennuie.